Concours d'expérience Pink Floyd, une dimension à découvrir avec seulement sur Musique Plus. Le 9 septembre 1987, deux jours après la sortie au Canada de l'album A Momentary Lapse of Reason, Pink Floyd débute une tournée mondiale au parc Lansdowne d'Ottawa. Ce marathon international de 200 spectacles devait prendre fin à Knebworth, en Angleterre, le 30 juin 1990. Salut tout le monde, c'est Philippe Femiou. Seulement 27 jours nous séparent avant le début de la série de spectacles de Pink Floyd en sol québécois. Le premier spectacle, c'est le 23 mai au Stade olympique à Montréal. La question du jour, dans quelle ville a été enregistré l'album Delicate Sound of Thunder? Pour participer, regardez Musique Plus et envoyez-nous votre réponse à l'expérience Pink Floyd, Musique Plus, casse postale 2020. Succursale C, Montréal, Québec, H2L4Z5. Et samedi prochain, à 18h15, dans l'émission Communication Pink Floyd, nous allons procéder à 11 tirages. Donc, il va y avoir un gagnant qui va recevoir une paire de billets première rangée, un blouson Pink Floyd et un coffret Shine On. 5 autres gagnants vont recevoir un coffret Shine On et un T-shirt de Pink Floyd, comme je porte présentement. 5 gagnants vont recevoir également un T-shirt de Pink Floyd. Et pendant qu'on y est, on va être généreux à vos téléphones, chers amis, puisque tout de suite, la 9e personne qui nous appelle au 790-7587 ou de l'extérieur de Montréal, le 1-514-790-7587, va se mériter une paire de billets pour le spectacle de Pink Floyd. À vos téléphones, bonne chance! J'avais rien à faire, j'étais tranquille. Je tourne en rond dans la maison. Le téléphone sonne, c'est Shirley. Elle me demande ce que je fais, je lui dis que je fais pas grand chose, mais que de toute façon, j'aimerais ça si elle venait faire un tour à la maison. Un peu plus tard, Shirley arrive, elle me demande d'y composer une tune parlée comme à radio, une tune pour la faire danser. Prends ma méthode de guitare, je m'en vais pratiquer chez Oscar pour essayer d'y composer une tune de rap. Vous connaissez Shirley, elle voulait entendre du rap à Billy. Le rap à Billy, vous connaissez? Le rap à qui? Le rap à quoi? Ça fait que moi et Shirley, on file à bain. On décide de descendre downtown, dans le centre-ville, pour aller faire le tour des discos. Shirley, elle aime les discos. Ça fait qu'on a dansé toute la journée puis toute la soirée. Le disc jockey faisait jouer du rock'n'roll puis du reggae, puis pas mal de rockabilly, puis papaloula, blue sweat shoes, puis toutes ces affaires-là. Shirley, elle aime bien ça. Mais à un moment donné, elle s'est décidée d'être allée voir le disc jockey. Il a dit, pourrais-tu faire jouer du rapabilly? Connais-tu ça du rapabilly, toi? Je veux dire, si tu connais pas ça, va bien falloir qu'un jour t'en écoutes.
Après ça, on est allé dans un party, moi et Shirley. Ça a bien tombé parce qu'il faisait jouer du rap à Billy. Shirley, t'as content? Tu sais comment ce que c'est? Toute la soirée, ils ont joué du rap comme les Noirs de New York. On a dansé, puis à un moment donné, j'ai une fille qui est venue me parler. Elle m'a dit dans le creux de l'oreille, connais-tu ça, da-da-da? J'ai dit, do à Didi. Shirley m'a regardé, j'ai dit, y'a rien là, c'est du rap. Tout le monde rap ici, ça fait que moi, je rap avec le monde, Shirley. Tout le monde vient me parler, ça fait que moi, je rap comme les Noirs de New York. Il y a une autre fille qui vient me dire, ça me provoque, je m'ennuie du rap. J'ai dit, tu devras faire comme Shirley, écouter du rap, ça va te calmer. Le rap qui? Le rap quoi? Le rap à Billy. Le rap à Billy. Le rap à qui? Le rap quoi? Le rap à Billy. Le rap à Billy. Le rap à qui? Le rap quoi? Le rap à Billy. Concours d'expérience Pink Floyd, une dimension à découvrir avec seulement sur Musique Plus. Au cours de sa tournée mondiale amorcée en 1987, Pink Floyd a enregistré l'album live Delicate Sound of Thunder au Nassau Coliseum de New York en août 1988. Il s'agissait du deuxième album live du groupe après Uma Guma, lancé en 1969. Lors de son passage au Forum de Montréal en septembre 1987, Pink Floyd a joué deux pièces qu'il avait également interprétées lors de son premier spectacle au Québec au Centre sportif de l'Université de Montréal en novembre 1971, Echoes et One of These Days, soit deux extraits de l'album Metal. Entre 1966 et 1990, Pink Floyd s'est produit en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie, donnant un peu plus de 1000 spectacles. Durant cette période, le groupe a présenté 9 concerts chez nous, soit 1 à Québec et 8 à Montréal. David Gilmour, ex-membre du groupe Jokers Wild, a remplacé Syd Barrett au début de l'année 1968 et assumé le leadership du groupe à compter de 1986. Parallèlement à ses activités avec Pink Floyd, il a lancé 2 albums en solo, David Gilmour en 1978, puis About Face en 1984, en plus de participer aux enregistrements de Paul McCartney, Kate Bush, Brian Ferry, Pete Townshend et plusieurs autres. Bonjour tout le monde, bienvenue au concours L'Expérience Pink Floyd, plus que 23 jours avant la venue de Pink Floyd au Stade olympique à Montréal. Donc voici tout de suite la question pour aujourd'hui. Qui a été le premier leader du groupe Pink Floyd de 1966 à 1968? Pour trouver la réponse, c'est très simple, vous regardez Musique Plus. Dès que vous la trouvez, vous la prenez en note et vous nous l'envoyez par la poste avec vos coordonnées à l'adresse suivante. Concours L'Expérience Pink Floyd, casse postale 2020, succursale C, Montréal, Québec, H2L4Z5. Lors de la prochaine émission Pink Floyd, samedi prochain, dès 18h15. On va procéder à 11 tirages, donc voici les prix que vous pouvez vous mériter. Il y a une personne qui va se mériter une paire de billets première rangée pour le spectacle de Pink Floyd du 24 mai prochain. On est les seuls d'ailleurs à offrir des billets première rangée en passant. Aussi, le blouson de la tournée Pink Floyd et le coffret Shine On. Il y a 5 personnes qui vont se mériter le coffret Shine On et aussi le T-shirt de la tournée que je porte en ce moment. Et il y a 5 personnes qui vont se mériter finalement le T-shirt de la tournée de Pink Floyd. Donc, dépêchez-vous, participez dès maintenant et bonne chance. Thank you.
Syd Barrett, premier leader et principal compositeur de Pink Floyd de 1966 à 68, a participé aux deux premiers albums du groupe, soit The Piper at the Gates of Dawn et A Sorcerful of Secrets. Sa discographie solo inclut également les albums The Madcap Laughs et Barrett, paru en 1970, The Peel Sessions et Opel, paru en 88. Someday, bloody someday. We'll be right back.
Musique Plus et Musea présentent la vidéocassette de Richard Séguin, Sous un ciel immense. Revivez sa dernière tournée à travers 14 chansons et 90 minutes d'images exclusives. Si je suis capable de jouer de ma chanson, juste voix guitare, la chanson est complète. Procurez-vous ce document inédit dans tous les bons clubs vidéo, libraires, grands magasins et disquaires. Complètement débile. Mais c'est plate. Bienvenue au cimetière en PCB. Fortement à déconseiller. Le meilleur moment d'album, c'est lorsqu'il finit. Jaillit les bijoux. La BAT Ice et Musique Plus veulent vous placer première rangée au Stade Olympique pour assister à la plus grande expérience audiovisuelle de votre vie. Pink Floyd. Le samedi à 18h15, lors du spécial Pink Floyd sur Musique Plus, des t-shirts, des coffrets Shine On, un blouson officiel et une paire de billets première rangée seront attribués. Pour participer, regardez Musique Plus, répondez à la question Pink Floyd et faites-la parvenir avec vos coordonnées à l'adresse indiquée. L'expérience Pink Floyd. Une dimension à découvrir avec La BAT Ice et Pink Floyd sur les ondes de Musique Plus. Concours d'expérience Pink Floyd, une dimension à découvrir avec seulement sur Musique Plus. Salut tout le monde, bienvenue au concours d'expérience Pink Floyd. Pink Floyd, ça vient à Montréal dans 22 jours. Donc voici la question pour aujourd'hui. Quel musicien a fait partie de Pink Floyd de 1966 à aujourd'hui? Pour trouver la réponse, c'est très simple. Vous regardez Musique Plus, on va vous dévoiler la réponse. Et quand vous l'avez, vous la prenez en note, vous nous la faites parvenir par la poste avec vos coordonnées à l'adresse suivante. Concours d'expérience Pink Floyd, casse postale 2020, succursale C, Montréal, Québec, H2L4Z5. À la prochaine émission Communication Pink Floyd, samedi prochain à 18h15, on va procéder à 11 tirages et voici les prix que vous pouvez vous mériter. Tout d'abord, une personne va recevoir une paire de billets première rangée pour le spectacle du 24 mai au Stade olympique de Pink Floyd. On est les seuls à offrir des billets première rangée, petit conseil ici. Et aussi le blouson de la tournée Pink Floyd et le coffret Shine On. Il y a 5 personnes qui vont se mériter le coffret Shine On et le T-shirt de la tournée que je porte présentement. Et il y a 5 personnes qui vont se mériter le T-shirt. Alors là-dessus, dépêchez-vous de participer et bonne chance. Un seul musicien a fait partie de Pink Floyd de 1966 à aujourd'hui, le batteur Nick Mason. En effet, David Gilmour ne s'est joint au groupe qu'en 1968, l'année du départ de Syd Barrett, Roger Waters lui a quitté en 85 et Rick Wright s'est absenté de 81 à 86. Pink Floyd a lancé l'album The Dark Side of the Moon en mars 1973. À partir de cette date et jusqu'en 1988, Dark Side est demeuré sur le top 200 des meilleurs vendeurs aux États-Unis pendant 724 semaines, record qui n'est pas prêt d'être battu. Avec des ventes de 24 millions d'exemplaires, Dark Side est le quatrième album le plus vendu dans le monde. C'est en Angleterre, au Dôme Brighton, le 20 janvier 1972, que Pink Floyd joue pour la première fois The Dark Side of the Moon, alors intitulé Eclipsed. Gilmour, Mason, Waters et Wright interpréteront sur scène Dark Side dans son intégralité pendant presque 4 ans. La dernière représentation aura lieu le 5 juillet 1975 à Knebworth, également en Angleterre. Suite à la parution de l'album The Wall en décembre 1979, Pink Floyd a conçu un méga spectacle qu'il ne devait présenter que dans 4 villes, Los Angeles, New York, Londres et Dortmund. Au total, 31 spectacles. Can't touch this. Can't touch this.
can't touch this. Can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. When I'm mind too round and too hype, it feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is a beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that. Like that. Pull on the mixer, don't fall on back. Let them know that you're too much. And this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know, you're talking about the hammer. You're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating, so fast them a white or a tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit, either work hard or you might as well quit. That word, because you know, you can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't groove this, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this. And you're gonna get there. The move. Slide your rump. Just for a minute. Let's all do the bump. Can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop, have a time. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Every time you see me, the hammer's just so hype. It just don't hit. I tour around the world, from London to the Bay. It's hammer, go hammer, empty hammer, yo hammer, and the rest can't go in play. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Concours d'expérience Pink Floyd, une dimension à découvrir avec seulement sur Musique Plus. Pink Floyd a utilisé son célèbre cochon gonflable une première fois en décembre 1976 lors de la session de photos pour l'album Animals. Le deuxième jour du tournage, le cochon devait briser ses amarres, s'envoler dans le ciel britannique et nuire à la circulation aérienne à l'aéroport Heathrow, à Londres, avant d'atterrir dans un champ du comté de Kent. Le cochon accompagne Pink Floyd en tournée depuis 1977. Stayed out of sight.
Rick Wright, un des membres fondateurs de Pink Floyd, a quitté le groupe en 1981, peu après la dernière représentation du spectacle The Wall. Il a réintégré Pink Floyd en 1986 durant l'enregistrement de l'album A Momentary Lapse of Reason, puis a participé à la tournée mondiale de 1987 à 1990. Il a coécrit 5 pièces de l'album The Division Bell, dont Wearing the Inside Out. Au début de sa carrière, Pink Floyd s'est produit sous plusieurs noms. Sigma Six, The T-Set, The Megadeth, The Architectural Abdads, Screaming Abdads ou simplement Abdads. C'est Syd Barrett qui a finalement créé le nom Pink Floyd en s'inspirant des prénoms de deux bluesmen américains, Pink Anderson et Floyd Council. Véritable pionnier du son quadraphonique, Pink Floyd a utilisé ce procédé technique aux effets 360 degrés pour la première fois au Queen Elizabeth Hall de Londres le 12 mai 1967. Trois albums du groupe devaient être mixés en quadraphonie. Atom Heart Mother, The Dark Side of the Moon et Wish You Were Here. Salut tout le monde, bienvenue au concours L'Expérience Pink Floyd. 14 jours avant la venue de Pink Floyd à Montréal. 2 semaines, 14 jours, ça va vite, c'est effrayant. Ça s'en vient, dépêchez-vous de participer. Je vous donne la question pour aujourd'hui. Donc, la voici. Quel est le sous-titre de l'album The Final Cut? Pour trouver la réponse, vous regardez Musique Plus, on va vous la dévoiler. Et dès que vous la voyez, vous la prenez en note, vous nous la faites parvenir avec vos coordonnées à l'adresse suivante. Concours L'Expérience Pink Floyd, casse postale 2020, succursale C, Montréal, Québec, H2L 4Z5. Samedi prochain, lors de l'émission Communication Pink Floyd à 18h15, on va faire 11 tirages et voici ce que vous pourriez gagner. Il y a une personne qui va se mériter une paire de billets première rangée pour le spectacle du 24 mai. On est les premiers à donner... à donner des billets première rangée, le blouson de tournée Pink Floyd et le coffret Shine On. Il y a 5 personnes qui vont se mériter le T-shirt de la tournée et le coffret Shine On. Et 5 personnes, finalement, vont se mériter le T-shirt de tournée de Pink Floyd. Alors, participez dès maintenant. Dépêchez-vous, c'est dans 2 semaines. Bonne chance. It up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Make my
Floyd lance en 1983 l'album The Final Cut, sous-titré A Requiem for the Post-War Dream. The Final Cut est le dernier album du groupe auquel a participé le bassiste Roger Waters, également le seul album marqué par l'absence du claviériste Rick Wright. Pink Floyd ne l'a jamais interprété sur scène. Le tournage du film The Wall, mettant en vedette le Boomtown Rats Bob Geldof, a débuté en septembre 1981 au studio Pinewood à Londres. Réalisé par Alan Parker avec un budget de 12 millions de dollars, The Wall a été présenté en première mondiale au Festival de Cannes le 23 mai 1982. La bande sonore inclut la pièce inédite When the Tigers Broke Free, ainsi que des nouvelles versions de Mother, In the Flesh Part 2, Outside the Wall et Bring the Boys Back Home. Concours d'expérience Pink Floyd, une dimension à découvrir avec seulement sur Music Plus. Allô tout le monde, bienvenue encore une fois au concours L'Expérience Pink Floyd. Plus que 12 jours maintenant avant la série de spectacles de Pink Floyd au Stade olympique de Montréal. Je suis sûre que vous attendez la question avec impatience, alors la voici pour aujourd'hui. Quel membre de Pink Floyd a lancé en 1981 l'album solo Fictitious Sports? Alors dès que vous avez la réponse, vous nous la faites parvenir avec vos coordonnées à l'adresse suivante. Concours L'Expérience Pink Floyd, casse postale 2020, succursale C, Montréal-Québec, H2L4Z5. Samedi prochain à l'émission Communication Pink Floyd à 18h15, vous pourriez gagner les prix suivants, puisqu'on va faire 11 tirages. Tout d'abord, il y a une personne qui va gagner une paire de billets première rangée pour le spectacle de Pink Floyd au Stade olympique, le blouson de la tournée Pink Floyd et le coffret Shine On. 5 personnes vont mériter le coffret Shine On et le T-shirt de la tournée que je porte en ce moment. Et finalement, 5 personnes vont mériter le T-shirt. Alors là-dessus, participez dès maintenant. Il ne reste plus que 12 jours. Je sais pas où il a trouvé son permis de conduire, celui-là, mais ça doit être sûrement dans une boîte de Cracker Jack. Je suis certain qu'il n'a pas pris son cours chez Technique. Oups. Mais toi qui m'écoutes présentement, tu pourrais gagner un cours de conduite technique grâce au concours Ton permis, ta liberté. Lumière jaune, on ralentit. Téléphone tout de suite au numéro qui apparaît au bas de l'écran. Tu pourrais être parmi les 3 finalistes du jour. Et demain, à 14h, un animateur fait le tirage du gagnant quotidien. Avec Technique, ton permis, ta liberté. Garantie. Sur un plateau de tournage, quand les lumières s'allument et que ça tourne, on ne peut rien cacher. Mes cheveux doivent être impeccables. Et même une pellicule, c'est une pellicule de trop pour moi. C'est pour ça que j'utilise Adam Chauvet. Faites-lui passer le test. Et faites-le pour vous. Puisque les belles têtes... Non, pas de pellicule. Head & Shoulders et Head & Shoulders 2 en 1. Pellicule enrayée, chevelure en beauté. Le tout nouveau MC Mario Mastermind. What are you looking at? Avec Mitsu, Rage, Reel to Reel et Max. La compilation Music Plus MC Mario Mastermind, maintenant disponible sur cassette ou compact de quality. Let the beat control your body. Parallèlement à leurs activités avec Pink Floyd, le batteur Nick Mason et le claviériste Rick Wright ont participé à de nombreux projets solo. Nick Mason a enregistré les albums Fictitious Sports en 1981 et Profiles en duo avec Rick Fenn en 85, tandis que Rick Wright lançait les albums Wet Dreams en 78 et Identify en 84, ce dernier en collaboration avec Dave Harris sous le nom de Z. Concours d'expérience Pink Floyd, une dimension à découvrir avec seulement sur Music Plus.
Parmi les pièces de Pink Floyd les plus connues, plusieurs possédaient à l'origine des titres fort différents. Ainsi, Atom Heart Mother s'intitulait The Amazing Pudding. Le classique Echoes avait pour titre Return of the Son of Nothing. The Dark Side of the Moon s'intitulait Eclipsed. Sheep avait pour titre Raving and Drooling. Et Dogs, You Gotta Be Crazy. Quant à l'album A Momentary Lapse of Reason, un des titres considérés fut Delusions of Maturity. L'album Wish You Were Here, lancé en septembre 1975, devait à l'origine inclure seulement trois pièces, soit l'hommage à Syd Barrett, Shine On You Crazy Diamond, ainsi que Dogs et Sheep, qui sont finalement parus en 1977 sur l'album Animals. Pink Floyd interprétait ces trois pièces lors de son passage à Montréal, à l'Autostade le 26 juin 1975. Quatre albums de Pink Floyd ont atteint la première position du palmarès Billboard. The Dark Side of the Moon, paru en 73, Wish You Were Here, en 75, The Wall, en 79, et sa plus récente parution, The Division Bell. L'album The Wall est celui qui est demeuré le plus longtemps au sommet, soit 15 semaines, et The Division Bell, celui qui a connu l'ascension la plus spectaculaire, atteignant la première position dès sa première semaine au palmarès.
Concours d'expérience Pink Floyd. Une dimension à découvrir avec seulement sur Music Plus. Salut tout le monde, bienvenue au concours L'Expérience Pink Floyd. 8 jours avant l'arrivée de Pink Floyd au Stade olympique à Montréal. 8 jours, c'est presque une semaine. Alors là, vraiment, dépêchez-vous à participer. Je vous donne la question pour aujourd'hui. Quelle chanson de Pink Floyd a été écrite à l'époque où David Gilmour apprenait à piloter un avion? C'est facile. Nous allons diffuser la réponse ici même sur les ondes de Musique Plus. Dès que vous l'avez, vous nous la faites parvenir avec vos coordonnées à l'adresse suivante. Concours L'Expérience Pink Floyd, casse postale 2020, succursale C, Montréal-Québec, H2L4Z5. Samedi prochain à 18h15, l'émission Communication Pink Floyd. On va faire 11 tirages et voici ce que vous pourriez gagner. Il y a une personne qui va recevoir une paire de billets première rangée pour le spectacle de Pink Floyd. On est les seuls à donner des billets première rangée, ainsi que le blouson de la tournée et le coffret Shine On. 5 personnes vont recevoir le T-shirt de la tournée et le coffret Shine On. Et finalement, 5 personnes vont recevoir le T-shirt de la tournée. Alors là-dessus, participez dès maintenant. Il reste juste 8 jours. Plusieurs critiques ont qualifié la musique de Pink Floyd de rock planant. Et ce n'est sans doute pas par hasard, car le groupe a maintes fois exploité, au sens propre comme au figuré, la thématique du ciel et de l'espace. On pense aux pièces Astronomie Dominée, Interstellar Overdrive, A Saucer Full of Secrets, Fat Old Son, Point Me at the Sky, The Great Gig in the Sky, Goodbye Blue Sky, et bien sûr Learning to Fly, écrite à l'époque où David Gilmour apprenait à piloter son avion. La pochette de l'album Wish You Were Here, conçue par la célèbre agence de design Ichnosis, a été particulièrement difficile à réaliser. Bien qu'il portait un habit en amiante ainsi qu'une perruque, l'homme à droite a subi des brûlures durant la session de photos. Quant à l'expert en yoga, photographié au lac Mono en Californie, il devait se tenir immobile, la tête immergée suffisamment longtemps afin que l'eau du lac redevienne calme. Il a dû recommencer sa prouesse 60 fois. Les membres de Pink Floyd ne font pas que de la musique. Comme tout le monde, ils ont des hobbies. Ainsi, durant les années 70, tout le groupe a joué au soccer au sein de la PFFC, le Pink Floyd Football Club, mais également au cricket et au golf. David Gilmour a, pour sa part, fait de la moto et pilote aujourd'hui son avion. Quant à Nick Mason, il collectionne les autos et fait de la course automobile. De la photo psychédélique de l'album The Piper at the Gates of Dawn en 67 jusqu'aux sculptures métalliques de l'album The Division Bell, les pochettes de Pink Floyd ont toujours retenu l'attention. Utilisant une vache, un cochon, une pyramide ou encore 800 lits déposés sur une plage, Pink Floyd a toujours accordé une place importante à la conception graphique. Le batteur Nick Mason a même dessiné la pochette européenne de la compilation Relics. C'est une question de style, et c'est ce qui vous rend si belle. La touche finale. La gamme des fixatifs et spritz sélection salon. Choisissez votre niveau personnalisé de tenue pour un style sur mesure. Hey, comme si vous sortiez d'un salon. Courez la chance de gagner une soirée VIP avec Stéphane Rousseau grâce à Music Plus. Imaginez le service de limousine et 2 billets première rangée. De plus, après spectacle, rencontrez Stéphane et recevez la veste officielle de sa tournée. Ça n'a pas de bon sens, faut que je continue à ma blonde, tu rentres dans ta blonde. Pour participer, regardez Music Plus et notez la date et l'heure de diffusion des extraits de spectacle de Stéphane Rousseau. Puis faites-nous les parvenir avec vos coordonnées à Music Plus. Une soirée drôlement mémorable. Musique Plus, en collaboration avec l'Association des programmateurs de la télédistribution du Québec, présente Démo Clip. Une chance unique de vous faire connaître au moyen d'un clip produit par votre câble ou distributeur local et diffusé par Musique Plus. Surveillez Musique Plus pour les détails.
cette semaine à Concert Plus. Berlin, 21 juillet 1990. À l'endroit même où se tenait le mur de Berlin, 300 000 personnes assistaient à un spectacle historique. La construction d'un mur de 180 mètres de long entre le public et les musiciens. Conçu et réalisé par Roger Waters, ex-membre de Pink Floyd, The Wall, Berlin 90. À Concert Plus, samedi 20h, dimanche midi. Concours d'expérience Pink Floyd, une dimension à découvrir avec seulement sur Music Plus. Le Britannique Gerald Scarfe, caricaturiste au Sunday Times de Londres, a conçu la pochette de l'album et les scènes d'animation du film The Wall, un travail qui a nécessité 14 000 dessins et l'embauche de 50 artistes. Scarfe avait auparavant créé les films d'animation pour l'album Wish You Were Here. Une rétrospective de ses œuvres, incluant une caricature de Gilmore, Waters et Mason, a été présentée au Festival Hall de Londres en 1983. La présente tournée nord-américaine de Pink Floyd, amorcée le 30 mars au Joe Robbie Stadium de Miami, devrait prendre fin le 18 juillet au Giant Stadium de East Rutherford. Pink Floyd aura alors donné 56 spectacles devant plus de 2 500 000 spectateurs. Les recettes de la tournée seront sûrement astronomiques. Les deux spectacles que le groupe a donnés à l'Autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico, les 9 et 10 avril, ont d'ailleurs rapporté plus de 5 millions de dollars américains. Allô tout le monde, bienvenue à une autre capsule, l'expérience Pink Floyd, une des dernières puisqu'il reste plus que quelques heures avant l'arrivée de Pink Floyd à Montréal, soit plus précisément 2 jours. Donc là, on commence vraiment à s'énerver. Je pense que c'est même plus drôle. Ceux qui ont des billets doivent être en train de capoter. Je vous rappelle, si vous avez participé à notre concours, de ne pas manquer le tirage final à l'émission Communication Pink Floyd samedi à 18h15. Ne manquez pas ça puisque je vous rappelle encore une fois qu'on va donner des billets première rangée, un blouson de la tournée Pink Floyd, des coffrets Shine On et des t-shirts de la tournée comme celui que je porte présentement. Celui que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est maintenant le mien. Alors, pour mettre encore une fois vos connaissances à l'épreuve, si vous croyez tout savoir de Pink Floyd, je vais vous poser une autre question. La voici, c'est sur la tournée actuelle de Pink Floyd. Combien de scènes différentes utilise Pink Floyd dans sa présente tournée? Il y a plusieurs scènes. On vous demande combien Pink Floyd utilise de scènes différentes dans sa tournée. Donc, pour avoir la réponse, pour voir si vous avez raison, eh bien, vous regardez Music Plus. On va vous diffuser une capsule qui contient la réponse. Alors là-dessus, je vous invite à ne pas manquer dimanche prochain, le 22 mai, notre programmation spéciale. On consacre une journée entière à Pink Floyd. Ça commence à midi avec le film The Wall et toute la journée, il va y avoir des petites capsules, des statistiques, des faits divers concernant Pink Floyd. Et le dimanche soir à 21h, on vous présente une émission spéciale qui s'appelle Grand Gourou, qui c'est une heure sur la carrière complète de Pink Floyd depuis les tout débuts jusqu'à maintenant. Ça risque d'être très, très, très intéressant pour les mordus de Pink Floyd, alors ne manquez pas ça et on se revoit dans une prochaine capsule. La présente tournée de Pink Floyd est une véritable caravane. Pas moins de 11 camions transportent la scène, 18 autres la sonorisation, les éclairages et les effets spéciaux. Dans chaque ville, il faut compter 60 heures de travail pour construire la scène et tout mettre en place. Pink Floyd donne en moyenne un spectacle tous les 2 jours. Il faut donc non pas une, mais bien 3 scènes afin de maintenir le rythme de la tournée. Salut tout le monde, bienvenue à cette dernière capsule, l'expérience Pink Floyd. Au cours des dernières semaines, on vous a parlé beaucoup de l'arrivée de Pink Floyd à Montréal. Et bien, c'est dans un jour, une journée, quelques heures et bientôt, on va se mettre à compter les minutes. C'est effrayant, on est envahi par Pink Floyd ici sur les ondes de Musique Plus. Au cours des dernières semaines, on a fait une foule de gagnants. Je vous rappelle qu'on a remis des billets première rangée. On était les seuls à pouvoir donner des billets première rangée. Des billets aussi pour le spectacle du 24 mai, des coffrets Shine On, des blousons de la tournée de Pink Floyd, des t-shirts comme celui que je porte. D'ailleurs, je l'aime beaucoup maintenant. Il est
à moi, on me l'a donné. Donc, je vous remercie d'avoir participé en si grand nombre. Vraiment, c'est un concours avec une très, très grande réussite, un très beau succès pour le concours L'Expérience Pink Floyd. Alors, je vous donne une dernière question pour ceux qui voudraient mettre à l'épreuve leurs connaissances. On va vous diffuser la réponse sous forme de capsule, encore une fois, sur les ondes de Musique Plus. C'est la dernière question. Alors, la voici. Quelles sont la hauteur et la longueur du dirigeable de Pink Floyd? Alors, vous surveillez la réponse pour voir si vous avez raison, tout simplement. C'est tout simplement pour s'amuser. Alors, encore une fois, je vous remercie beaucoup d'avoir participé en si grand nombre. Je vous rappelle que dimanche prochain, le 22 mai, la journée du spectacle de Pink Floyd, eh bien, on vous présente une programmation spéciale entièrement consacrée à Pink Floyd. On commence à midi avec le film The Wall. Toute la journée, il y a des statistiques, des faits divers sur Pink Floyd, des clips, des petites capsules. Et finalement, on termine ça à 21h avec une émission spéciale qui s'appelle Grand Gourou, qui trace le portrait complet de la carrière de Pink Floyd des tout débuts jusqu'à aujourd'hui. Je vous invite à ne pas manquer ça. Alors, merci beaucoup et je vous rappelle que c'est demain l'arrivée de Pink Floyd à Montréal. Le guitariste David Gilmour chantait dans la pièce Money, I Think I Need a Learjet. Ce n'est toutefois pas un avion que Pink Floyd s'est procuré, mais un immense dirigeable multicolore que le groupe utilise lors de ses conférences de presse. Piloté par Mike Fitzpatrick et Corky Ballinger, il fait 60 mètres de long par 20 mètres de haut. Je voyais mon chum, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il était parti, il était pas là. La dernière fois que j'ai parlé, son cœur était mal à manger. Sa tête était dans un étau, il était pas beau. Il y avait de la coke dans les yeux, il y avait de l'héro dans le sang. Il y avait tout son corps qui penchait par en avant. Il y avait le goût de vomir, il y avait envie de mourir. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Moi j'avais le goût de m'enfuir. Je l'ai laissé tout seul au bord de la catastrophe. Pardonne-moi, pardonne-moi, j'ai pas voulu t'abandonner dans le moment le plus rough. Je suis le lâche des lâches, pas le tough des tough. Parle-moi, parle-moi sans me voir, raccale-moi, young way. Dis-moi sans me voir, raccale-moi, young way. Moi je fais mon chemin dans la foule en espérant qu'une chose, c'est de voir ton visage ou de t'entendre crier. Avec ta voix immense et ton cœur qui explose, aidez-moi, aidez-moi. Moi je fais mon chemin dans la foule en espérant qu'une chose, c'est de voir ton visage ou de t'entendre crier. J'en ai plein mon casque mais c'est pas encore l'overdose. Aidez-moi, aidez-moi. Attendez-vous de là, il faut que je voie mon chum. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il était parti, il était pas là. La dernière fois que j'ai parlé, son cœur était mal à manger. Sa tête était dans un étau, il était pas beau. Il y avait de la coke dans les yeux, il y avait de l'héro dans le sang. Il y avait tout son corps qui penchait par en avant. Il y avait le goût de vomir, il y avait envie de mourir. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Moi j'avais le goût de m'enfuir. Je l'ai laissé tout seul au bord de la catastrophe. Pardonne-moi, pardonne-moi, j'ai pas voulu t'abandonner dans le moment le plus rare. Je suis le lâche des lâches, pas le tough des tough.
c'est d'avoir ton visage ou de t'entendre crier avec ta voix immense et ton cœur qui explose. Aidez-moi, aidez-moi. Mouche pas dans la foule en espérant qu'une chose, c'est d'avoir ton visage ou de t'entendre crier. J'en ai plein mon casque, mais c'est pas encore l'overdose. Aidez-moi, aidez-moi. Attendez-vous de là, il faut que je voie mon chat. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il était parti, il était pas là. La dernière fois que j'ai parlé, son cœur était mal à manger. Sa tête était dans un étau, il était pas beau. Il y avait de la coupe des yeux, il y avait de l'héro dans le sang. Il y avait tout son cœur qui penchait par en avant. Il y avait le goût de vomir, il y avait envie de mourir. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Moi j'avais le goût de m'enfuir. Je l'ai laissé tout seul au bord de la catastrophe. Pardonne-moi, pardonne-moi, j'ai pas voulu t'abandonner dans le moment le plus rough. Je suis le lâche des lâches, pas le tough des tough. Parle-moi, parle-moi, ça m'a wadji, recalme yo. You're me when it's all.